Révélée en 2014 dans la deuxième saison des Princes de l'Amour, Sarah Frézou est loin de faire l'unanimité. Si la candidate de télé-réalité a plus de 2,2 millions d'abonnés, elle n'a pas que des fans qui commentent ses publications. Vendredi 18 mars 2022, CIST au lendemain d'un mariage que la jeune femme s'est rendue au musée du Louvre. Afin d'immortaliser ce moment, Sarah Frézou a partagé sur Instagram un cliché où l'on peut la voir prendre la pose devant des tableaux. Dans la section des commentaires, de nombreux internautes ont assuré être choqués par sa démarche. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Un musée est un lieu à respecter, Madame Frézou, il s'agirait de contempler les œuvres surtout. Je suis choqué. Au lieu de prendre la pause, instruis-toi. Tu as la chance d'être dans un musée, profite d'admirer les tableaux. L'intelligence ne vole pas haut, peut-on lire. Au cours du week-end, Sarah Frézou avait accepté de répondre aux questions des internautes. Alors qu'elle a déjà été mariée à deux reprises et a été fiancée trois fois, l'un d'eux lui avait écrit « Tu te maries avec Archie plein de gars à chaque fois ». En toute transparence, l'influenceuse avait répondu « Pour t'informer un à chaque fois ». Pas tous ensemble quand même, mais juste une question, tu as bien été en couple plusieurs fois et quand ça ne fonctionne pas, tu changes? Bah le mariage, si est-il la même chose? Si est-il sincère, si est-il censé durer pour la vie, mais quand ça ne fonctionne pas ou qu'on est trompé ou manipulé ou pas heureuse, on divorce. Et on recommence jusqu'à trouver le bon. Désolé de croire en l'amour. Sarah Frézou au cœur des critiques. Si la star de télé-réalité se fait critiquer lorsqu'elle se rend au musée, les internautes ont assuré quelques jours plus tôt qu'elle était illettrée. Alors qu'elle avait hésité sur plusieurs mots de la promotion d'un produit amincissant, les internautes avaient écrit. Elle-même, elle ne comprend pas ce qu'elle lit, influenceuse de Wish. Personne n'a de code promo pour retourner à l'école? Ou encore, vraiment les gars, vous avez de l'argent. Reprenez vos études bordel. Loading widget.